Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement toutes et tous. On est parti pour 24 heures. Si tout va bien, si je meurs pas, si je fais pas de syncope, de crise cardiaque, normalement on va passer un très 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 bon moment. J'ai une scar, moi je prends un Mais fils de... Mais t'as quel âge pour jouer à un robot? On va passer un très bon moment. Mais non, mais c'est ridicule ce truc de merde. Fada, bon, Fada il est hors catégorie. Lui il est à x3 gros. Ça me fait plaisir, j'espère que t'es encore vivant Fada, de là où tu nous regardes. Bisous. On adore Fada hein, les gars. 78 ans, toujours la pêche, toujours la banane. Moins 50, j'ai mis gros dans le blanc. Moins 50. Ah! Bah putain, y'a rien, j'ai eu peur pour rien. Je croyais qu'il y avait une araignée sur ma main, mais y'avait rien. Je commençais à être fou, les gars. Qui la connaissait directement, mon ex. Elle me donnait toutes les informations en échange de. Vous savez quoi? Bip. Non, plus que ça. Attends, y'a quand même une meuf qui t'a dit je te donne toutes les infos si tu me baises. C'est ça. Ok, bah ça va, jusqu'ici c'est un bon plan. Je vais la recruter chez les journalistes. Ouais, je te balance tout si tu baises. Ok. Mais qu'est-ce qui branle lui, putain, mais c'est quoi ces flics là? Sa voiture elle est pétée, non? Mais ouais, putain, bordel. Premier 24 heures sans fufu, alors on lui rend hommage. Oh merde, il est mis sur la Reaper of Souls. Moins 56 dans le petit coin de pute fort. Oula. Ouais, je sais pas si t'es très gentil ou t'es très con, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que... Et vous finissez jamais vos phrases comme ça ou... Non, je l'ai fini. Porte ferme. N'importe quoi. Gros, comment t'as mis combien de balles en faisant cette merde là? Fais comme ça. C'est honteux. Ouais, non, j'ai encore du mal avec la technologie, tu m'en voudras pas. Ouais. On dirait ma grand-mère. Ouais, qu'est-ce qu'on l'a aimé ta grand-mère hein. Si, patron. Vous étiez pas son préféré en tout cas. Oula. Ouais, mais ça me suffit à la baiser si tu vois ce que je veux dire. Ça va, Jameson? Salut, Jameson, ça va? Ouais, bon, on parlait de la grand-mère à notre ami Fidel. Natacha, je sais pas pourquoi. Oh, t'as trouvé une photo de Loulou. Putain, c'est tellement mignon. Oh, il est mignon comme tout. Où ça? Loulou dans son état naturel. T'es ventriloque, t'arrives à parler sans bouger la bouche, c'est incroyable. Un peu comme ta mère. Ouais. Par contre, ta mère, elle avalait sans ouvrir la bouche et on disait rien. Hein. Attention, parce que sa mère, c'est ma mère, c'est ta mère, ma mère, c'est ma mère, ok? Et t'inquiète pas, on la connaît tous, votre mère, y'a pas de problème. Ouais, oh, fais gaffe, lui. Parce que c'est fini, hein. Regardez le move de Jojo. Regardez, nous sommes dans sa vue, hop, une belle grenade. Wow. Oh non, Jojo. Oh, il doit être en train de rager, j'ose même pas démuter. On va braquer celle qui est le plus loin du commissariat pour essayer. Oh oh. Ah. Oh putain. Tu disais, patron? Aïe aïe aïe, on va vite, on s'en va hein. On a eu chaud messieurs hein. C'est vrai qu'avec sa barbe, il y a plus de charisme. Bah ouais, sans barbe, il est dégueulasse, bâtard. On dirait un œuf. Un œuf qui parle. Et il se fait embrouiller par un œuf. Le mec qui se colle la tête, il y a du jeu de neuf qui tombe. Bonjour madame. Ah, peut-être on va trouver. La brasserie de la p***, s'il vous plaît. La brasserie de la p***. La brasserie de la pute, on me dit. Oui. C'est le mec. C'est passé quoi, les gars? Bah, il y a rien dans la cuisine, il en peut plus. 5 mètres carrés, ils sont 44 mètres dedans. C'est pire qu'un bateau migrant, il est en train de péter un câble. Et toi, tu es là depuis combien de temps? Toi, tu es là depuis le début. Eh, respecte Serge un peu, ok? Ouais, mais c'est le seul qui a des cheveux, donc tu respectes un peu. Ouais, mais arrêtez d'être jaloux, il a quand même, il maintient sa petite mèche. Je peux pas, c'est trop de café. Ça dépasse la limite. Aïe, aïe, il est mort. Là, il est déjà pensé en train de dire, ouais, je devrais peut-être servir des cafés allongés. Le mec est là. Alors comme ça, ma mère préfère le thé. Hein. Putain, elle m'a trahi. Vas-y, Serge. Un café, monsieur? Ouais, ouais. Alors. Je vais prendre une entrecôte, mais pas un café. Alors, une entrecôte, ok. C-A-F, ce midi, E, ok. Avec l'entrecôte allongée ou avec du réussir parfaitement. Voilà. Tu me lèves, ce morceau de bois. Allez, lève-le-moi ce morceau de bois. Lève-le comme si c'était une belle bite, putain, vas-y. Ouais, elle a 14 ans, j'avais oublié. J'ai tendance à oublier qu'elle a 14 ans. Ah, mais j'étais pas là au début du reportage, je suis pardonné, j'ai mon excuse. Et j'aurais tout dans. C'est quoi cette famille de cassos? Parce que t'es une confidente à moi, et j'ai le droit de lui dire de ce que tu me fais, j'ai le droit de c'est lui dire. C'est ma confidente, là. J'ai le droit de lui dire de ce que tu me fais. C'est quoi Francis, ce Merci, il a deux doigts de se branler, gros. Lui, il va se taper la queue de sa vie, hein. N'empêche, on rigole. Imaginez, vous avez un gamin et il est comme ça, ce bordel. Personne trop court, il se rend dans le jardin, ce chien. Ouais, il a déjà été papa 4 fois. Ouais, c'est pour rien dire. Comment elle est, ta petite sœur? Tu lui fais quoi? Bah, je la frappe, je l'insulte. Oh là là, elle est contente, putain, mais merde. Ta sœur, tu lui fais quoi? Bah, je la brûle, je la découpe, je viole son tronc. Ah, ok.
Elle va rouler un gros terre. Qu'est-ce que tu fais? On pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais un câlin? Alfie, elle a 14 ans. Calme-toi, gros. Mais non, c'était en 2016, on est en 2019. Il a déjà calculé ça, c'est ça qui calcule. Quand c'est quelques jours, elle a quand même évolué. Là, on a la pause dégueulée. En gros, tu lui roules une pelle, t'as tétanos, c'est sûr. Mais c'est mort. Mais frérot, c'est une deuxième grotte, ça bouge, gros. Le compteur GG, il s'appelle. White? Ouais. T'es en Marcel? Non, je suis torse nu. Ouh, encore mieux. Ah, je regrette pas de l'avoir invité, hein. Ouais. Et j'ai même pas de caleçon. Donc c'est une map que je supportais pas et j'apprends à l'apprécier 4 ans après sa sortie. Ah ouais, comme nous avec Bloody, quoi. Comme quoi? Je suis passé, les gars, je suis sur site. Ah, voilà. Vas-y. Par là. Non, je suis plus sur site. T'en avais ok. Un tu le vois. Oh non, sérieux, je suis aveugle ou quoi, frère? Oh, il était là. Ah ouais, dommage. De la chaise. C'est incroyable, je suis totalement aveugle. Où il est, où il est, où il est? Mais gros! Pardon. Ce jeune fils de... Voilà, c'est mieux. En vrai, je suis en forme de ouf. Moi, ça va, franchement. Dans 4 heures, je m'écroule. La même. Parce que peut-être vous avez besoin de vous rassurer, peut-être que vous manquez de confiance en vous, tout simplement. C'est vrai que ses oreilles, c'est chaud, quand même. En vrai, ça doit être pratique, hein. La coiffeuse, même pas, elle écarte les oreilles pour passer derrière. Elle passe la machine au calme. J'ai l'impression qu'elle vous prend. Bon, je suis désolé de vous dire ça, c'est pas ce que je pense. J'ai l'impression qu'elle vous prend pour un minable. Ouais. Mais vous faire tout ça. Ouais, énerve-toi, vas-y. Voilà, ah, Kevin, ça va. Bon. Alors, Kevin a pris la fuite en refusant de me parler. Mais d'ailleurs, lui, le gars, il a été clean de ouf. Et là, il se casse. Ils ont mis 2 mois. Alors que je m'accorde une courte pause. Moi, je pensais que vous voulez me faire sortir un secret alors qu'en fait, tu as rien. Moi, je voulais pas te faire sortir un secret. Je voulais te parler de tes frères et sœurs. Et parle-moi un petit peu de ta mère, là. C'est quoi ces horaires un peu de sortie? À quelle heure ton père il va au boulot, là? Dis-moi tout. Ouais. Eh, regarde chérie comment j'en fous un peu. Moi tout ce qui est voilà, je connais, voilà, tout ce qui est gros. Ouais. Bah, il a plus même pas Pascal les gars. Non, Pascal, mais il lui arrive quoi, il mince. Le gars il s'est dit ouais c'est mon boulot, putain j'ai envie de monter une armoire là. Le pas s'en empêcher. Il est sec des bâtards. Sec pas. N'oublie les règles en 2 secondes. Y a pas un seul qui est synchro. J'y vais tout doucement, j'essaye de prendre. Au début, j'ai pris quelques pièces. Il a perdu. Après, je commence à prendre des plus lourdes. Non, mais c'est pas possible. Pascal, il va bien faire esprit de perdre. Il va faire. Oh non. Il va mettre une pièce qui fait 8 kilos. Gros. Oh non. Oh bah, j'ai perdu. Il va mettre une pièce de billets. Oh non. Regarde. Il sait très bien, gros. Bah oui, non mais. Ah, j'ai pris la pièce de 800 grammes. Eh, mais même Pascal, en regardant l'ardif, il doit se dire non, mais vraiment, ils sont claqués. Hein. J'ai abusé. Ouais, j'ai abusé. Il faut juste faire un carré avec ça. Allez, faites pas les débiles. Hein. On doit former. Non, oh, mais là, les gars, voilà. Correspond à votre famille. Chameau. Alors, le H, on le placerait où, à votre avis? Au début, à la fin, au milieu? Correspond à la famille. Chômeur. C'est une honte. Merci beaucoup pour tout ce que tu as. N'oublie pas de mes SMS dès que ta mère est tout seul à la maison. Bon, on fait comme on a fait. J'ai le droit ou pas où tu me suis aidé? Ah, au fait, t'as le bonjour d'Henri, Eric, Gaëtan, Dylan. Olivier, fuis dès que tu peux, frérot. Cours maintenant. Fais genre tu l'as perdu dans le parc d'attractions et va-t'en. Quand tu me dis ouais, mais tu te fais sauter par tous les mecs et tu te fais payer. Bah en même temps, c'est ça. Moi non, qui l'ai payé. Ah ouais. C'est pas pareil, j'ai pas dit que tu te fais payer. Déjà, j'ai dit que t'étais une gratuitement. Mais même la dernière fois. Ouais, il cherche aussi. Je vais te dire un truc. Je vais m'énerver, j'ai marqué. Non. Je change de camp. Ils viennent tout. Justement, si t'es à l'école, tu me réponds simplement t'es à l'école, t'es pas le code. Tu mets un sac, t'es pas chance de te parler. Toi aussi, il faut que je m'occupe de ton cas ou pas? Parce que je viens pour ton frère, mais si je veux que je vienne pour toi, je viens pour toi aussi, y a pas de problème. J'ai 2 bras. Si je vous chope tous les deux, je chope tous les deux, y a pas de soucis. Donc je suis en train de te parler. Donc t'es pas à l'école. Oh Pascal, le boss. Qu'est-ce que tu as dit à ton père la dernière fois? Qu'il allait se faire quoi? Il allait se faire fou. À ton propre père, toi, tu parles comme ça? Dans 2 ans, je reviens chez toi, je m'occupe de toi, mon gars. Tu sais ça? Ouais. Le daron là il réfléchit, il fait alors j'ai éclaté ta gueule contre le mur de gauche. Le pont, je la démonte. Pour aider cet ado, le pont, il est caméra. Donc je suis derrière le mur depuis 20 minutes. Je suis entré 20 minutes américaines. Quand t'étais au Giot d'hier, j'étais là avec toi. T'as pas qu'à la chasse, t'as lâché à Colombin sa mère.
tous à la sorcière. Ouais. On vous met tout le couloir. Il faut savoir parler. C'est convenablement. Moi, ça me fait de la peine. C'est pour ça que moi, je suis un peu comme Alphus, moi, je veux pas de gosses. Mais non, mais les gars, après, c'est le gamin, il ressemble à ça, les frères. Je voulais pas de gosses comme ça, parce que moi, je vous dis direct, je finis en zone. N'aie pas la patience pour ces conneries. Car là, tu enlèves la ceinture de devant, tu mets ta ceinture, tu piles, hop, il passe dans le pare-brise Ribéry. Oh putain. Je vais commencer à aller voir les gamines de 14 ans en détresse, gros, ça carte. Oula. Mais pour l'éducation, putain, faites un effort aussi là. Puis je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Kiffez un maximum. Vous avez khalas, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Bisous, les gars. Passez tous une bonne nuit. Je pense qu'il est temps de se reposer maintenant. On est bien d'accord. Allez, les gars, je m'en vais sur un maximum de cœur.